Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient régulièrement et lorsque l'on me demande comment fait-on pour nettoyer un crâne de cristal. Aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question que vous me posez régulièrement et dans laquelle vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour nettoyer un crâne de cristal et est-ce que c'est nécessaire? Alors, première chose, il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai considéré et j'ai souvent répondu ça, que l'énergie des crânes de cristal était suffisamment puissante pour éviter toute forme de pollution et que du coup, il ne me semblait pas nécessaire de nettoyer les crânes et que je préférais largement les nourrir, c'est-à-dire leur amener des énergies positives, leur amener des énergies, par exemple, de la pleine lune, de la nature, des rivières, des lieux sacrés, plutôt que d'avoir peur et que de les nettoyer en considérant que peut-être ils avaient été attaqués et qu'on avait mis sur eux des énergies négatives. Souvent, très longtemps, ça a été ma réponse. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, avec ce type de réponse, et bien finalement, je mets en place une règle, une norme. Or, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce qui compte fondamentalement, c'est votre intuition, votre instinct, ce qui vous semble juste pour vous. Et donc à partir de là, peut-être que certains d'entre vous vont considérer par moment qu'il est nécessaire de nettoyer les crânes et qu'il est nécessaire de les purifier. Alors, le premier point, et il est important, c'est qu'un crâne de cristal ne se gère pas exactement de la même manière que lorsque vous faites l'acquisition d'une pierre ou d'un minéral, et que effectivement cette pierre ou ce minéral qui peut se charger des informations négatives autour de lui peut être amené régulièrement à être nettoyé, à être purifié, à être rechargé, plutôt au soleil, plutôt à la pleine lune, en fonction du type de pierre avec laquelle vous travaillez. D'autant plus si ce sont des pierres avec lesquelles vous travaillez régulièrement et qui vont être amenées à aspirer, à nettoyer des énergies négatives qui sont en vous, ou au contraire à vous donner des énergies positives pour vous aider à avancer dans votre quotidien. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on retrouve dans la plupart des pierres semi-précieuses que vous allez acheter dans des boutiques, c'est-à-dire effectivement des protocoles pour nettoyer, pour purifier et pour recharger les pierres. Pour les crânes, donc ça va être un petit peu différent. Le principe de base chez moi, toujours avec les crânes, c'est vraiment de leur faire confiance et vraiment de m'assurer que et de croire dans leur pouvoir et dans l'énergie et dans la puissance qu'ils portent. Je considère qu'effectivement, les crânes ne sont pas des objets qui peuvent être pollués, qui ne peuvent pas être chargés d'énergie négative, tout simplement parce que, en fait, l'énergie qu'ils portent est l'énergie de l'amour. Or, l'énergie d'amour a cette capacité à accueillir, à dissoudre l'ensemble des énergies négatives, et donc, du coup, à ne pas rentrer dans cette fameuse peur d'être pollué, d'être avec des énergies négatives, etc., etc. Mais il m'est arrivé, à quelques rares occasions, mais ça m'est arrivé, de sentir à un moment qu'un crâne ou des crânes avaient besoin d'être nettoyés et que ce crâne ou ces crânes, à un moment, pour des raisons qui éventuellement m'échappent, avaient besoin que je m'occupe d'eux, que je fasse en sorte de les purifier, que je fasse en sorte de les nettoyer. Dans ces cas-là, effectivement, vous allez mettre en place un certain nombre de protocoles équivalents à ceux que l'on retrouve avec les pierres semi-précieuses. Le premier, celui que j'utilise le plus et qui est celui qui a probablement ma préférence, c'est de trouver une source d'eau, alors la plus naturelle possible, la moins polluée possible, et de trouver peut-être une fontaine, un filet d'eau, quelque chose en dessous duquel vous allez pouvoir placer votre crâne, et en même temps que vous le placez sous cette source d'eau, sous cette eau qui coule, vous allez visualiser et vous allez imaginer que cette eau va nettoyer, purifier le crâne au fur et à mesure qu'elle coule dessus. Et vous allez laisser votre crâne de cette manière-là pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps qui vous semble nécessaire pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir le dépolluer, et puis pour pouvoir faire en sorte que il vous semble le plus propre possible. Donc ça, c'est ma technique favorite. Alors moi, j'ai la chance d'être sur un lieu de vie où j'ai de l'eau de source. Et donc, du coup, il suffit que j'ouvre le robinet de ma cuisine pour avoir de l'eau de source directement. Donc, du coup, qui n'est pas polluée, qui ne présente pas de parasites, et qui, donc, du coup, va être parfaite pour pouvoir nettoyer mon crâne. Maintenant, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une eau de source. Alors, si c'est l'eau du robinet en ville, eh ben, ce sera l'eau du robinet en ville. C'est pas très grave. C'est effectivement mieux si c'est une eau de source. Donc, si vous avez, par exemple, à proximité de chez vous, une fontaine, un lieu où il y a une eau qui coule ou une source qui coule, eh ben, n'hésitez pas à y aller de temps en temps. Vous y allez avec vos crânes, avec vos pierres, avec vos dragons, peu importe, et vous allez nettoyer. Mais si vraiment vous ne pouvez pas, parce que vous êtes en centre-ville d'une grande ville, et que du coup, bah, vous n'avez pas accès à de l'eau de source,
eh bien l'eau du robinet peut largement faire l'affaire. Ensuite, technique numéro 2 que j'aime beaucoup aussi, que je vais utiliser vraiment. Alors, on va dire que l'eau, c'est vraiment la technique la plus simple à utiliser, la plus courante, quand vous sentez qu'il y a besoin d'un petit nettoyage, mais que ce n'est pas non plus une pollution gigantesque. Deuxième possibilité que j'aime aussi utiliser, cette fois-ci, c'est l'encens. Alors, soit vous utilisez un encens que vous mettez sur un charbon ardent et que vous faites brûler, soit vous utilisez des encens en bâtonnets. Clairement, les encens sur charbon ardent sont bien plus efficaces parce que bien plus purs. Donc, vous allez faire brûler votre charbon ardent, vous mettez votre encens dessus, plutôt du camphre, par exemple, qui est vraiment l'encens qui va permettre de nettoyer, ou du sang de dragon, ou du benjoin. Voilà, ce type d'encens que vous trouverez assez facilement dans le commerce et qui vont venir brûler, nettoyer du coup la pièce dans laquelle vous êtes, mais qui vont aussi pouvoir nettoyer le crâne. C'est-à-dire que lorsque la fumée commence à émaner, eh bien pareil, vous allez, au lieu d'avoir cette fois-ci l'eau qui coule et qui traverse le crâne, vous avez cette fois-ci en fait la fumée qui va remonter et vous allez passer votre crâne de cette manière-là dans la fumée. D'accord? De manière à ce que vous voyez vraiment, vous perceviez toute la fumée qui se met dans le crâne, qui passe autour et qui va le nettoyer, le purifier. Et en même temps, ce qui va être important, c'est de ne pas lâcher des yeux parce que votre intention aussi est importante dans ce travail-là. Au fur et à mesure que vous allez mettre le crâne au-dessus des fumées de l'encens qui est en train de brûler, vous allez imaginer vraiment que les fumées rentrent et traversent le crâne et nettoient et vont dépolluer tout ce qui peut se trouver à l'intérieur. Et de la même façon, vous faites ça pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps qui vous semble nécessaire. Et quand ça vous semble OK, à ce moment-là, vous pouvez retirer le crâne de la fumée, en sachant que dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien, c'est les passer un petit coup sous l'eau après, simplement parce qu'il peut arriver des fois avec l'encens qu'il y ait des résidus qui viennent se déposer à la surface. Du coup, c'est pas très agréable, ça peut même devenir un petit peu collant. Donc, du coup, bah, moi, je le passe aussi un petit peu sous l'eau, histoire de vraiment finir de le nettoyer complètement. Dernière technique, enfin, des techniques, il y en a énormément. Des techniques de nettoyage, vous pouvez mettre sur une fleur de vie, vous pouvez mettre sur une coquille Saint-Jacques pendant plusieurs nuits, vous pouvez mettre dans une géode d'améthyste, à condition que le crâne soit pas trop gros. Vous avez un certain nombre d'outils radioniques qui sont également à votre disposition, qui vont vous permettre de nettoyer. Donc là, je vous laisse chacun chercher, vous renseigner sur ce qui existe, sur ce qui est possible, sur ce qui vous parle, parce que c'est important aussi que cet outil-là soit un outil qui vous parle. Dernière technique, pour ceux qui sont à l'aise avec la radiesthésie, c'est la possibilité d'utiliser un pendule radionique ou non. Et en fait, vous allez venir placer votre pendule au-dessus du crâne et vous allez demander au pendule de nettoyer votre crâne. Et vous allez donc le voir commencer à tourner autour du crâne et peut-être de plus en plus vite pendant un certain temps. Alors là, pour le coup, ce n'est pas vous qui décidez, c'est vraiment le pendule. Et en fait, tant que le pendule va considérer et sentir qu'il y a une pollution qui reste sur le crâne, et ben en fait, il va continuer à nettoyer. D'accord? Avec ce pendule, de la même façon, vous avez la possibilité à la fin, lorsque le nettoyage est terminé, de demander à ce que le crâne soit rechargé en énergie positive. À ce moment-là, vous restez avec votre pendule. Alors, éventuellement, vous pouvez nettoyer le pendule entre deux en le plaçant, par exemple, au-dessus d'une flamme. Et à ce moment-là, en fait, c'est la flamme qui va nettoyer le pendule. Et après, vous allez pouvoir venir recharger votre crâne de manière positive. Vous remettez votre pendule au-dessus de votre crâne. Et là, vous demandez à ce que le pendule le recharge positivement avec les énergies qui lui sont nécessaires et qui lui font du bien. Et là, vous allez voir probablement que le pendule va tourner dans l'autre sens ou avoir un mouvement d'oscillation alors qu'il avait un mouvement de rotation. Peu importe, en tout cas, normalement, le mouvement devrait se modifier. Et pareil, donc vous allez voir que le pendule va recharger le crâne et qu'à la fin, au bout d'un certain temps, quelques secondes, quelques minutes, lorsque le pendule va s'arrêter, ça voudra dire que votre crâne a été rechargé. Voilà pour la technique avec le pendule. Les autres techniques sont des techniques essentiellement de nettoyage. C'est pour ça aussi, ce que je vous conseille souvent, c'est de plutôt charger positivement vos crânes. D'accord? C'est-à-dire que vous allez, en les nettoyant, vous les videz d'une énergie négative. Par contre, vous n'avez pas forcément mis des choses positives à l'intérieur pour remplacer. Alors, première chose, c'est qu'effectivement, les crânes mis au contact d'autres crânes vont se charger d'informations positives. Lorsque vous l'emmenez dans des lieux sacrés, ils vont faire la même chose. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de les emmener en pleine nature, en forêt, les placer au bord ou le long ou à l'intérieur d'une rivière. L'avantage de la rivière, c'est que ça va nettoyer et recharger en même temps parce que l'eau est tellement positive et elle est tellement vivante que du coup, elle va amener les deux énergies au crâne. Et donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de charger vos crânes positivement. Ils adorent les énergies de la pleine lune, donc n'hésitez pas à les sortir au moment de la pleine lune. Alors, j'entends souvent des gens, parce qu'il m'arrive de temps en temps sur les réseaux sociaux, de préciser que le soir même d'une certaine journée, il y a une pleine lune. Et souvent, j'ai des gens qui m'envoient ou qui mettent des remarques en me disant: Ah bah tant pis pour nous, ici il fait pas beau, c'était nuageux, on n'a pas vu la pleine lune.
Ça n'a aucune importance. Et vraiment, j'insiste là-dessus, vous pouvez mettre vos crânes à l'extérieur le soir de pleine lune, même s'il n'y a pas la pleine lune, ce n'est pas grave, puisqu'encore une fois, ce n'est pas la lumière qui va recharger, c'est l'énergie. Et l'énergie, elle se contrefiche des nuages, elle se contrefiche que le ciel soit couvert, l'énergie de la pleine lune passe. Donc vous pouvez sans aucun problème les mettre à l'extérieur, sur votre terrasse, sur un balcon, peu importe. Et même s'il ne fait pas très beau, même si le ciel est couvert, ça n'est pas grave. Votre crâne, vos crânes, vos pierres vont se charger positivement avec l'énergie de la pleine lune, parce que de toute façon, c'est l'énergie qui vient et ce n'est pas forcément les rayonnements. Donc, n'hésitez pas à les mettre, même si le temps n'est pas beau. Et donc, vraiment, ce que je peux vous inciter à faire, c'est à les charger positivement, à travailler avec eux, à leur faire des demandes, à les emmener dans des endroits qui vous tiennent à cœur, à les emmener dans des endroits qui vous semblent positifs, et faire en sorte que ces crânes soient nourris d'une énergie positive, parce que plus ils vont se nourrir de positif, plus ils vont pouvoir répandre, et plus ils vont pouvoir répandre, plus ils vont pouvoir amplifier et faire ce travail-là pour vous et autour d'eux. Voilà, donc voilà ces quelques conseils en ce qui concerne le nettoyage et le rechargement des crânes. N'hésitez pas du coup à suivre votre instinct et votre intuition. Encore une fois, ce n'est pas parce que je vous donne une technique et un tuto aujourd'hui qu'il faut le faire. Ne le faites que si vous le sentez et que ça vous semble juste pour vous. Voilà, j'espère avoir répondu aux interrogations que vous aviez par rapport à ce sujet qui revient régulièrement dans les messages que vous avez la gentillesse de m'envoyer. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!